Bonjour à tous. Bienvenue à tous les nouveaux participants au webinaire de ces journées portes ouvertes virtuelles. Merci à ceux qui sont connectés depuis hier et qui échangent avec nous sur les métiers d'Orange Cameroun. Nous allons maintenant découvrir les missions de la direction Orange Digital Center. Pour nous entretenir aujourd'hui, nous aurons Emmanuel Etia et Diane Bouli. Welcome to all new participants to the webinars of these virtual open houses. Thank you to those who have been online since yesterday and who discuss with us the jobs of Orange Cameroun. We are now going to discover the missions of the Orange Digital Center Department. And to talk to us today, we have Emmanuel Etia and Diane Bouli. Emmanuel and Diane, you have the floor. Good afternoon, everyone. I am glad to introduce you to Orange Digital Center. Welcome once again. We are the new baby of Orange, and we are very proud to present ourselves today to all of you. I will be hosting you with Mr. Emmanuel Etia, and you have the opportunity to discover our small history of 1 year ago. Let me just introduce you to Emmanuel. As you can see, welcome. Bienvenue à Orange Digital Center. We are just about to start. Thank you. Alors, je disais bienvenue encore à Orange Digital Center. Je suis Emmanuel Etia et j'ai le plaisir de piloter ce centre depuis quelques mois. Alors, je voudrais vous présenter cet après-midi Orange Digital Center. C'est vrai que beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est. Mais avant d'aller dans le concept en lui-même, je voudrais m'arrêter un instant sur le digital, sur la formidable histoire du digital. Vous allez mieux comprendre pourquoi Orange a décidé de déployer Orange Digital Center. Alors, le digital, quand j'y pense, c'est l'histoire d'une formidable accélération. Une formidable accélération des progrès technologiques. Hein, souvenez-vous, hein, en 1969, il y a un monsieur qui s'appelait Moore, qui avait prédit que les ordinateurs tous les 24 mois, les microprocesseurs tous les 24 mois, doubleraient de puissance. Eh bien, sa prédiction s'est avérée vraie. On est passé des gros ordinateurs de type, donc c'était l'ère des mainframes, aujourd'hui, l'informatique individuelle, la micro-informatique individuelle, avec pratiquement des ordinateurs dans votre poche que sont nos téléphones portables. Donc, ça a été un progrès considérable, surtout en très peu de temps, ce qui a permis effectivement de pouvoir développer un certain nombre d'applications. Hein, les entreprises sont passées à l'époque des mainframes. On avait, par exemple, les tout premiers à être équipés de ces ordinateurs-là qui valaient extrêmement cher. On pouvait faire la paye automatisée à l'époque. Hein, je me souviens de la société Elf, par exemple. Aujourd'hui, on est à la micro-informatique individuelle. On peut pratiquement, avec un PC portable, piloter la paye de toute une entreprise. Donc ça a été une évolution formidable sur le plan de l'informatique. Sur le plan des réseaux, on est passé, si on prend les 150 ans des télécommunications, on est passé très rapidement à, aujourd'hui, on est en train de déployer la 5G, à peine on a fini de déployer la 4G. Donc c'est allé extrêmement vite sur les dernières décennies. Hein. Alors, tous ces progrès-là, quand on les met ensemble, ont permis de faire quelque chose de formidable, c'est que ça a permis de développer un certain nombre de services qui sont en train de révolutionner notre vie, la vie des entreprises, la vie des utilisateurs au quotidien, hein, et même, quelque part, changer la face du monde. Souvenez-vous, hein, il y a quelques années encore, on disait par exemple que l'Afrique, c'est un continent perdu, qu'on n'y ferait rien, etc. Aujourd'hui, en Afrique,
le mobile banking. Grâce à ces progrès technologiques, le mobile banking a été inventé en Afrique et aujourd'hui, ce service-là permet de sortir progressivement des populations, des couches de population entières de la pauvreté. Donc, avec notamment Orange Money que vous connaissez très bien. Donc voilà, donc on a fait des progrès technologiques énormes. Si on couple à ces progrès technologiques ce qu'on appelle l'intelligence collective, l'effet de la multitude, le fait que avec les progrès technologiques, on a une masse de gens qui ne se connaissent même pas et qui travaillent partout dans le monde et qui arrivent à travailler sur le même sujet, on déploie une intelligence qui permet d'avancer très, très rapidement. Je prends pour exemple la plus grosse encyclopédie qui a été faite dans le monde, Wikipédia, a été faite dans cette logique-là. Donc, on a introduit l'horizontalité. À partir du moment où les progrès technologiques le permettent, les gens se mettent ensemble, travaillent ensemble et peuvent avancer très, très rapidement ensemble. Alors, ces évolutions-là sont en train de révolutionner complètement le monde. Donc le digital, c'est pas simplement une question d'outils, de mode quelque part, c'est une véritable révolution qui est en train de se mettre en place. On est en train de changer de monde, l'ancien monde, basé sur l'énergie, donc le monde industriel, au monde d'aujourd'hui, avec le numérique autour de la donnée, autour de la data. C'est ça qui est en train de se passer. Donc c'est des transformations pour les entreprises qui doivent réinventer quelque part leur business model. Hein, on le voit très bien dans le domaine des télécoms. Il y a quelques années encore, eh ben, ce qui faisait la valeur de nos entreprises, c'était les unités téléphoniques. Aujourd'hui, on peut téléphoner avec WhatsApp, avec des services comme ça. Donc, ce qui oblige quelque part les entreprises, les opérateurs à réinventer leur business model. De l'autre côté, côté client, côté usager, ben, il y a des usages qui ont complètement changé. Aujourd'hui, avec le téléphone mobile, le paysan qui est au fin fond du village peut avoir des informations sur la météo, donc optimiser sa production, voire vendre de manière beaucoup plus efficace son produit. Donc voilà ce que c'est en train de changer. Alors, vous me direz quel est le rapport avec Orange Digital Center. Ben, Orange, qui est à la pointe des nouvelles technologies, a très vite compris que c'est pas un effet de mode. C'est pas simplement mettre en place de nouveaux logiciels, c'est pas simplement mettre en place de nouveaux outils, mais il s'agit véritablement d'une transformation de nos modes de vie, d'une transformation de nos manières de faire. Et que, d'ailleurs, les services qu'on va utiliser demain ne sont même pas encore connus et ils sont encore à faire. Donc, c'est dans cette logique que Orange a décidé d'agir non seulement en tant qu'entreprise à l'intérieur en se transformant. Il y a de formidables programmes qui sont lancés à l'intérieur d'Orange pour pouvoir transformer la société, l'entreprise. Mais également, c'est dit, mais je peux venir avec des produits et services. Ces produits et services-là, si l'écosystème, si l'environnement n'est pas prêt à les utiliser, eh ben, ça fonctionnera pas. Donc, l'idée est venue de dire, on va accompagner l'écosystème. On va accompagner l'écosystème, on va accompagner les acteurs du système à intégrer les notions du numérique, à se former, à pouvoir utiliser le numérique convenablement. Donc, il faut accompagner les entreprises qui sont en train de se digitaliser. Il faut accompagner les utilisateurs lambda qui ont besoin de comprendre et donc de pouvoir inventer le futur. Et voilà, donc c'est la logique qui a été utilisée par Orange pour dire il faut quelque chose qui puisse accompagner ces différents acteurs. Est-ce que je peux aller maintenant à la présentation?
Donc, alors, une fois que ce principe a été posé, enfin, ce petit historique a été posé, Orange a donc mis en place donc Orange Digital Center. Orange Digital Center, c'est quoi? C'est un ensemble de moyens qu'on met ensemble pour pouvoir accompagner l'écosystème, pour pouvoir former les gens, pour pouvoir aider ceux qui doivent inventer le monde de demain à mieux maîtriser les outils, à mieux maîtriser les processus. Donc, c'est ça la logique d'Orange Digital Center, mettre ensemble un certain nombre de moyens pour accélérer la maturité de l'écosystème et greffer donc autour de ces activités un écosystème mature. Donc, Orange Digital Center, c'est une école du code pour les formations. C'est un Fab Lab solidaire pour apprendre en faisant, parce que l'autre principe de l'apprentissage, c'est j'apprends en faisant et en partageant également. L'artisan qui est dans un quartier de Douala, qui trouve un moyen à travers le numérique de pouvoir optimiser ses fabrications, sa fabrication ou son produit, peut le partager avec des artisans qui se trouvent au Sénégal ou n'importe où dans le monde. Donc c'est ça la logique Orange Fab Solidaire, l'apprentissage par le faire et le partage. Après, il y a une autre catégorie d'acteurs, les entrepreneurs, les porteurs d'idées, donc les gens qui ont envie d'entreprendre, qu'on va accompagner à travers le programme Orange Fab. L'idée, c'est de dire, ceux qui ont des projets, ils peuvent être à différents stades, donc formation, accompagnement, ancrage culturel du numérique, d'accord, tout ça dans une logique de gratuité. Orange, et particulièrement Orange Cameroun, tient à ne laisser personne de côté, ne pas faire de sélection sous le prisme de l'argent. Les prestations qui sont offertes au Digital Center sont complètement gratuites et nos apprenants n'auront à débourser aucun franc pour pouvoir en bénéficier. La dernière notion que je voulais mettre en erzègue, c'est le formidable réseau. Alors, Orange, bien sûr, ne déploie pas ce dispositif uniquement au niveau du Cameroun. C'est un dispositif que Orange a décidé de déployer au niveau de la zone MEA dans toutes les filiales Orange. Donc, il y aura d'ici à fin 2021 une vingtaine d'Orange Digital Center partout en Afrique et au Moyen-Orient, de manière à créer un véritable réseau qui va permettre les échanges entre les Camerounais, les Sénégalais, les Tunisiens, etc., autour d'idées. L'idée étant globalement qu'on contribue à créer un écosystème qui soit favorable à l'innovation, à la création d'emplois, à faire en sorte que nos jeunes puissent trouver facilement un boulot, ou qu'ils puissent créer les services de demain. Donc voilà la formidable histoire d'Orange Digital Center telle qu'elle est. Je vais demander à Anita Oduro, qui travaille sur ce projet depuis le début, de nous présenter un peu plus en détail les différents composants de Orange Digital Center. Je vous remercie, je reviendrai éventuellement tout à l'heure s'il y a des questions. Merci. Anita. Bonjour, bonjour à tous. Désolée pour la présentation qui va apparaître sur vos écrans dans quelques secondes. Alors, à la suite d'Emmanuel, qui est le directeur de ce fabuleux centre aujourd'hui, Orange Cameroun a décidé de promouvoir un peu plus sa stratégie sur le fait d'être plus qu'un opérateur. Et ça entre en droite ligne, en fait, avec cette stratégie-là. L'Orange Digital Center entre en droite ligne avec cette stratégie-là.
Je vais vous présenter les différentes composantes plus en détail de l'Orange Digital Center. Alors, on a l'école. On a aujourd'hui trois composantes au niveau de l'Orange Digital Center, qui sont l'école du code, le Fab Lab solidaire et l'Orange Fab. Alors, l'école du code, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est un lieu qui est dédié en fait à la formation aux technologies innovantes, à la formation au numérique, à la formation. Numérique pour les jeunes, au niveau jeune de 15 à 25 ans, mais également au niveau des personnes en recherche d'emploi, des étudiants qui sont en fin d'études, pour leur projet de fin d'études, ou en recherche d'une première expérience professionnelle. Donc, les programmes d'éducation aujourd'hui que nous déployons à l'école du code sont principalement dédié au code, c'est-à-dire que on fait de l'initiation et de l'approfondissement au code numérique par des programmes comme Super Codeur, l'initiation à la programmation pour les jeunes filles, par exemple, qu'on a appelé le Girl Digital Class, le Women Digital Class aussi, qui est pas forcément dédié aux jeunes filles mais aux femmes. Ces formations aussi passent par des formations sur les technologies innovantes. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement le code. Aujourd'hui, tout tourne un peu autour du numérique, donc du coup du digital. On propose aujourd'hui des formations dans les domaines du développement web et mobile, dans la création du chatbot, qui est un peu une introduction à l'intelligence artificielle, à l'initiation au big data. Aujourd'hui, le big data est une notion qui est de plus en plus demandée dans le monde d'aujourd'hui pour pouvoir arriver à gérer de la donnée et arriver à l'extraire et à l'interpréter. Ensuite, on a également les centres de stage. Ce ne sont pas vraiment des stages, on appelle plus ça des projets. Ce sont des projets de fin d'études ou des projets d'initiation à la vie professionnelle. Donc, d'un côté, il y a les jeunes qui recherchent un projet sur lequel finir leurs études, sur lesquelles bosser pour être plus employable demain. Et d'un autre côté, il y a ceux qui ont terminé et qui souhaitent avoir une initiation à la vie professionnelle en travaillant autour de projets concrets. Nous attaquons également les universités. Les universités qui ne sont pas forcément des universités technologiques, où les étudiants ne vont pas forcément être des techniciens ou des ingénieurs. L'idée des Orange Digital Center Club dans ces universités-là, c'est de promouvoir la formation aux technologies innovantes, c'est-à-dire que on peut aller dans une faculté de droit et pouvoir leur apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat numérique, de leur apprendre ce que c'est que le code, ou à développer un site web ou une application web mobile qui pourra en fait être un plus pour eux dans leur recherche d'emploi et dans leur initiation et dans leur CV. Donc globalement, c'est ça l'école du code aujourd'hui. On accueille, on fait des formations aujourd'hui en présentiel et en ligne sur ces domaines. Donc voilà, ça c'était pour l'école du code. Maintenant, le Fab Lab, aujourd'hui, le Fab Lab, c'est ce qu'on appelle un atelier de fabrication numérique. Permet de faire des prototypes concrets
à l'aide de la fabrication, à l'aide de la fabrication numérique. À date, notre Fab Lab est doté de plusieurs équipements. Les équipements, la découpe, on a une découpe laser. On a également qui sert à faire de l'artisanat numérique. On a également des imprimantes 3D, 2D et 3D qui permettent de faire d'imprimer des objets, de les modéliser, de les imprimer via ces imprimantes en temps réel. Également une découpeuse vinyle qui sert à faire tout ce qu'on appelle sticker, flocage. Voilà, ces machines en fait servent à une cible de jeunes qui sont souvent en décrochage, qui ne sont pas allés très loin et qui veulent apprendre un métier qui puisse les faire évoluer. Et donc c'est tout ça en fait le but du Fab Lab et même de Laurent Digital Center, c'est d'accompagner ces jeunes dans leur développement social par le numérique. Par le numérique, et bien sûr, on leur apprend à faire et à partager ce qu'ils ont appris avec les autres. Donc voilà. Donc ces deux entités-là sont complétées. Juste pour voir le parcours, c'est l'école du code, le Fab Lab. L'école du code, c'est un peu du software. Donc, on va être plutôt sur des outils soft, applications, sites web. Et sur la partie Fab Lab, on va plutôt être sur du hardware. Ça va être beaucoup plus du prototype, de l'électronique, de tout ce qui est robotique, pour avoir un prototype concret de notre projet. Ensuite, on a l'Orange Fab. L'Orange Fab, après avoir été à l'école du code à faire une application et ensuite d'être passé au Fab Lab pour prototyper notre outil, l'idée maintenant est de les accompagner dans la vie professionnelle, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. C'est un accélérateur. À travers l'Orange Fab, on accélère les jeunes startups, les startups à fort potentiel, les startups numériques qui évoluent dans les domaines technologiques au Cameroun. On les aide à travers un espace à l'Orange Digital Center qui est un espace de coworking. Ils peuvent venir s'ils n'ont pas vraiment de local en ville et ils ont des rendez-vous à faire passer. Ils peuvent venir dans l'espace de coworking où ils travailleront. Aujourd'hui, on les accueille pas avec des mesures de distanciation, donc on n'accueille pas tout le monde, aujourd'hui on les accueille. Donc ça veut aussi passer par de l'incubation technologique, c'est-à-dire pour améliorer leur solution. Ça peut être une application qui a besoin d'amélioration, qui a besoin de plus de design, qui a besoin de peaufiner l'expérience client sur l'expérience utilisateur sur son interface. Ça va être ça, de les accompagner à travers nos experts, de pouvoir améliorer leur prototype. Mais également, c'est aussi un modèle de, c'est aussi un passage pour avoir de la visibilité à travers l'Orange Fab. C'est beaucoup de visibilité, c'est des accès privilégiés à nos ressources techniques, c'est des accès privilégiés à nos partenaires et à nos business units. Et c'est des accès privilégiés également à nos accès au financement grâce au fonds d'investissement d'Orange, du groupe Orange, qui est Orange Venture Africa, qui aujourd'hui investit dans des startups africaines qui ont un réel potentiel de croissance dans les pays africains. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont ces trois composantes qui constituent l'Orange Digital Center. Ces composantes-là
Dans ces composantes-là, bien sûr, on a des métiers qui sont dédiés à ces composantes-là. Et pour ces métiers-là, je vais laisser Diane vous présenter les nouveaux métiers, comme on dit, de l'Orient Digital Center et qui constituent notre organisation. Merci beaucoup, Anita. Merci beaucoup. Alors, je reviens vers vous pour vous parler aujourd'hui de nos activités, de nos métiers qui permettent, en fait, qui soutiennent les différents axes et les différentes composantes de l'Orange Digital Center qui viennent de vous être présentées par Anita. Déjà, avant d'entrer dans cette rubrique, je veux me rassurer que vous nous recevez 5 sur 5, que le son est OK, que tout le monde voit la présentation support et également tout le monde reçoit la vidéo. OK. Alors, parlons des activités et des métiers autour de la formation numérique. Nous avons un pôle qui est consacré à l'ingénierie et aux formations. Les missions spécifiques ici, ça va être former et ça va être faire à des jeunes et pouvoir partager les réalisations. Ce pôle-là est principalement axé autour des activités du Fab Lab et de l'école du code. Ici, vous aurez des métiers clés comme celui déjà du manager du pôle ingénierie et formation, comme des métiers autour de l'ingénierie des systèmes d'information, du design d'application et également, bien sûr, du Fab Lab Manager, tel que je l'ai évoqué. L'idée ici, c'est que ces métiers puissent servir à promouvoir la formation numérique et à préparer aux emplois de demain. Pour entrer plus en détail dans ce pôle ingénierie, je vais partager avec vous un peu les missions de façon globale du pôle ingénierie, mais aussi les profils et les qualités requises si aujourd'hui vous voulez travailler à Orange Digital Center dans ce pôle-là. En termes de mission, l'école du code déjà dans le pôle ingénierie, il faudrait pouvoir coordonner et déployer les différentes activités de formation et de production numérique qui sont celles d'Orange Digital Center. Et au niveau du Fab Lab Solidaire, la mission ce serait de coordonner tout ce qui est activité de développement des projets ou des services existants dans le Fab Lab Solidaire. Il faudrait également former les publics cibles. On a parlé tout à l'heure des jeunes en décrochage. Scolaire. On a parlé également en termes de postes clés. Ici, vous aurez le manager du Fab Lab. Vous aurez également son assistant au niveau du Fab Lab. En termes de postes clés dans tout ce qui est école du code, dans tout ce qui est formation numérique, vous aurez les ingénieurs des systèmes d'information, vous aurez les applications et service designers, et vous aurez bien sûr à leur tête qui chapeaute un manager du pôle ingénieur et formation. Maintenant, il est important de savoir en fait que si vous voulez aujourd'hui rejoindre l'équipe d'Orange Digital Center dans le pôle ingénierie et formation, il y a quelques profils et quelques qualités qui peuvent être vos atouts. Premièrement, si vous voulez travailler dans tout ce qui est formation, système d'information, design d'application, il faudrait que vous soyez un bon pédagogue et que vous ayez un profil d'encadreur prouvé, parce qu'il faut avoir la capacité de pouvoir partager son art, de pouvoir partager sa passion. Vous devez impérativement avoir une certaine connaissance des systèmes d'information et de la programmation informatique, ça c'est un basique. Vous devez, si vous avez été formé dans une filière informatique, dans une filière réseau, dans une filière de génie informatique, ça c'est très bien, c'est quelque chose qui est recherché. Maintenant, il est important que dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, on sent que vous avez un goût prononcé pour l'innovation et pour la découverte, pour tout ce qui est nouveau. Il faudrait également que vous sachiez faire montre de la conduite du changement, surtout dans la gestion des projets. Vous savez, lorsqu'on design une application, lorsqu'on est dans l'innovation, lorsqu'on est dans le numérique,
il y a une grosse partie changement. Il y a une partie changement, il y a une partie adaptation au changement. Pouvoir accompagner des jeunes qui voudraient mettre en place une nouvelle innovation, pouvoir accompagner des jeunes qui doivent suivre un projet pour mener leur application de bout en bout, ce seraient les qualités phares pour venir travailler dans le pôle ingénierie d'Orange Digital Center. Maintenant, nous avons parlé du Fab Lab. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est métier autour du Fab Lab, vous voulez être le futur manager du Fab Lab d'Orange Digital Center ou du réseau des Fab Labs à venir d'Orange Digital Center, c'est important d'être capable d'encadrer des publics divers. Nous avons parlé des jeunes étudiants, nous avons parlé des jeunes défavorisés, nous avons parlé des porteurs d'idées, nous avons parlé même de monsieur et madame tout le monde qui ne connaissent pas ce que c'est. Donc vous devez pouvoir être capable de parler à différents publics et de pouvoir vous adapter. Vous devez pouvoir aussi utiliser votre réseau relationnel pour pouvoir véhiculer l'esprit qui est derrière le Fab Lab. Si vous êtes, maintenant parlons de formation, si vous êtes un technicien supérieur ou un ingénieur qui est familier au langage de pilotage des machines numériques, ce pôle ingénierie est véritablement fait pour vous. Donc, cela veut dire aussi que si vous êtes quelqu'un qui est force de proposition de solutions technologiques dans les projets qui peuvent vous être soumis, ça veut dire également que l'Orange Digital Center et le Fab Lab s'adressent à vous. Maintenant, il est important dans les éléments basiques que vous ayez une très bonne connaissance de ce qu'on appelle les machines numériques. Les machines numériques aujourd'hui, si vous rappelez le slide partagé il y a quelques minutes, sont des machines telles que les découpeuses laser, sont des machines telles que les imprimantes 3D, sont des machines telles que les fraiseuses, sont des machines telles que sont également des logiciels. Une machine marche avec un logiciel. Ça va également être des logiciels comme la conception 2D, l'impression 3D, des logiciels comme open source, des logiciels de tout ce qui est dans le développement de logiciels. Donc globalement, voilà un peu les missions, voilà un peu les profils et les qualités requises pour une personne qui veut rejoindre le pôle ingénierie d'Orange Digital Center. Alors, nous allons progresser. Nous allons parler à présent de... Nous allons parler à présent du pôle accompagnement des startups. Alors, est-ce que nous sommes... Voilà. Nous allons parler maintenant de tout ce qui est accompagnement des startups, de tout ce qui est entrepreneuriat et tout ce qui est innovation. La mission principale ici d'Orange Digital Center, c'est de pouvoir soutenir l'employabilité des jeunes. C'est également de pouvoir encourager dans l'écosystème camerounais les innovations et l'entrepreneuriat technologique. Alors, nous avons un pôle qui est un pôle entrepreneuriat, avec en support tout ce qui est marketing et communication. La mission spécifique de ce pôle-là, c'est d'accompagner l'innovation, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Alors ici, vous allez avoir des métiers clés comme celui de chef de projet entrepreneuriat, comme celui d'expert community et bien sûr, en fonction support, vous aurez des métiers autour de tout ce qui est communication, tout ce qui est marketing, tout ce qui est mise en avant de ces projets. Alors, pour aller plus dans le détail du pôle entrepreneuriat, parlons alors des missions. Les missions, comme je l'ai dit, c'est promouvoir les projets d'entrepreneuriat, c'est accompagner l'accélération du développement des jeunes entreprises avec qui que Orange aura ciblé. Et ça va également être de coordonner les échanges entre les différents membres de la communauté d'innovation au Cameroun. Si vous êtes intéressé par le pôle entrepreneuriat, il y a un profil et vous allez certainement vous y reconnaître. Il faut pouvoir faire preuve d'un certain sens de l'organisation. Il faut avoir une très bonne capacité d'écoute et savoir vous adapter en fait à des publics variés. Il faut savoir faire valoir son leadership et son esprit d'initiative, comme ces start-upers qui seront vos premiers clients. Il faut pouvoir maîtriser l'art de la négociation commerciale, parce que vous aurez à vendre les projets de ces entrepreneurs vers les publics qui sont les unités opérationnelles d'Orange et même nos partenaires. Il faut aussi quand même avoir en termes d'expérience un certain historique dans l'entrepreneuriat.
C'est vraiment un atout majeur. C'est-à-dire que si vous avez vous-même eu l'occasion d'entreprendre ce type de poste ou de travailler dans le pôle entrepreneuriat, c'est véritablement, c'est fait pour vous. Bien sûr, qui dit que vous êtes un commercial pour les entrepreneurs, dit que vous savez communiquer. Cela dit également que vous maniez l'art des chiffres et du partage des résultats. Donc aujourd'hui, les métiers phares dans le pôle entrepreneuriat, ça va être le chef de projet entrepreneuriat, ça va être l'expert community. Je vous invite à visiter le site Virtuo où plus en détail, vous avez des éléments qui ont été partagés sur chacun de ces postes. Et bien sûr, sur les autres postes sur lesquels nous ne sommes pas attardés ici, qui sont les fonctions support, notamment au niveau du management de l'ODC, au niveau de tout ce qui est communication, de tout ce qui est marketing, de tout ce qui est promotion des projets. Donc, ceci étant, je vous propose à présent de revoir avec vous notre parcours d'innovation au jour d'aujourd'hui. Nous avons quasiment un an et je vous propose d'accueillir Emmanuel qui va revenir sur tout ce qui est innovation qui a été faite à date. Ok. Alors, vas-y. Bien, alors je reviens. Donc en termes de réalisation, hein, donc Orange Digital Center, c'est quelques mois de fonctionnement hein, simplement. Mais nous avons aujourd'hui vu passer à peu pas loin de 700 apprenants sur des thématiques différentes. Hein. Ça a pu être des formations sur les fondamentaux du développement, ça a pu être des ateliers numériques autour de la modélisation 2D, 3D. Ça a pu être des programmes spécifiques dédiés aux femmes. Notamment, on a fait des classes spécifiques pour les femmes. Donc, on a pu voir passer un certain nombre de femmes, notamment des femmes, le monde de l'éducation, hein, les enseignants à pouvoir utiliser l'outil digital pour pouvoir passer efficacement les enseignements. Donc on a pu réaliser un certain nombre de choses, donc 687, à peu près 700 apprenants formés. On a également animé l'espace Orange Digital Center, donc c'est des talks autour des thématiques assez variées. Ça peut être la finance, ça a pu être des thèmes spécifiques sur l'éducation. Voilà, donc c'est des animations. Il y a l'idée, c'est à retenir, c'est que à Orange Digital Center, il y a des événements tous les mois. Donc il y a un programme qui est disponible sur le site Orange Digital Center que vous pouvez consulter, vous inscrire à des animations, à des formations. D'ailleurs, à propos de vous inscrire à des formations, ça me permet de répondre à une question qui revient assez souvent concernant qui et comment peut-on s'inscrire au Digital Center. Alors, la réponse est assez simple. Là, ça concernera tout le monde, y compris les gens qui n'ont jamais codé. Mais ça peut être également du perfectionnement sur des notions particulières. Là, effectivement, on pourra spécifier dans l'invite de la formation, on pourra spécifier les prérequis qu'il faut pour pouvoir suivre. Donc, ça dépend un tout petit peu, mais tout le monde, effectivement, peut être concerné, est concerné par les activités d'Orange Digital Center. Donc, juste bien consulter sur le site le plan de formation et des activités, les conditions généralement y seront mentionnées. Alors, à côté des formations, il y a également des challenges, parce que l'idée, effectivement, c'est de stimuler aussi
c'est de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, on a un certain nombre de challenges dont je vais mettre, je vais citer le Proexam, entre autres. Donc, le Proexam, qui est un prix, alors, orange de l'entrepreneur social qui a lieu tous les ans. Je pense que les candidatures, c'est à partir du mois de mars. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir faire concourir tous ceux qui souhaitent sur des projets à caractère technologique et orienté social qui permettent d'améliorer le quotidien des gens. Donc, c'est ça le prix Proexam qui a lieu tous les ans. On a pu dans le passé alors il y a un concours local, les sélectionnés du prix local sont généralement présentés à un prix international qui regroupe l'ensemble des filiales Orange à travers le monde sur ce concours-là, on a eu des belles réussites. Par exemple, en 2019, le Cameroun a été à l'honneur avec le gagnant du Proexam international qui a travaillé sur un projet de couveuse, donc pour les bébés prématurés, hein, de couveuse 100% made au Cameroun, et donc qui a remporté le prix devant toutes les autres filiales d'Orange, donc 17 au total. Donc voilà, cette année, on est aussi dans le concours. On n'a pas encore les résultats, mais voilà. Donc c'est un concours intéressant qui permet aux jeunes porteurs de projets de pouvoir travailler sur des projets avec l'aide des équipes d'Orange Digital Center pour proposer des projets pertinents et solides. On peut aussi avoir des challenges. On a eu cette année la chance de pouvoir bénéficier d'un challenge de financement, un challenge d'investissement. Alors l'objectif, c'était de pouvoir identifier au moins une start-up qui travaille dans des domaines qu'on a priorisés, la santé, l'agriculture, la sécurité, et à très fort potentiel. Donc ce challenge-là est en train de se terminer. Et très, très rapidement, je pense dans les jours à venir, Orange va annoncer l'entrée dans le capital d'une jeune start-up camerounaise de manière à lui apporter les moyens nécessaires pour pouvoir grandir rapidement. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on fait et les résultats qu'on a pu obtenir à ce jour. Alors, Diane, est-ce que nous avons encore d'autres éléments à partager ou on passe aux questions? Ok, très bien. Ben, je pense qu'on a partagé l'essentiel. Hein. Alors, je reviens juste un tout petit peu sur la présentation des métiers et des missions. Il est entendu effectivement que, les jeunes qui souhaitent, enfin, les personnes qui souhaitent participer à l'aventure Orange Digital Center et accompagner notre écosystème, nos jeunes, nos entrepreneurs, sont les bienvenus avec les spécifications mentionnées par Diane. Mais la vocation d'Orange Digital Center, c'est d'aider, c'est d'accompagner. Donc, moi, j'insisterai plus sur le recrutement des apprenants, des gens qui viennent pour utiliser l'outil Orange Digital Center pour soit parfaire leur formation, compléter leur cursus académique, soit venir pour être accompagné sur des projets particuliers. Le centre est ouvert à tous et il n'y a pas de discrimination de diplôme à ce niveau-là. Vous êtes porteur de projet. Si votre projet est intéressant et rentre dans les critères d'éligibilité, c'est-à-dire des projets technologiques sur la santé, l'éducation, l'agriculture, la sécurité, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue et Orange Digital Center, ce sera un plaisir de vous accompagner. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, en termes de dispositif, comment ça se passe? S'il y a des questions, alors je te propose de lire les questions et j'essaierai de répondre à quelques-unes. D'accord. Voilà. Alors, nous avons une question de Monsieur Joseph Mouni qui dit qu'il a des questions autour de l'écosystème en général des startups et qu'il voudrait se rassurer que Orange ne soit pas en total décalage avec l'environnement. Sa question, en fait, c'est de savoir comment est-ce que Orange travaille pour la création d'un écosystème avec les universités
la recherche, le tissu industriel, les fonds d'investissement, les incubateurs et accélérateurs, les institutions publiques. Sa crainte étant que sans écosystème, le gros de l'investissement d'Orange ne porte peu. Très bien, très bonne question, assez vaste. On va essayer d'y répondre. Alors, l'écosystème, on a un certain nombre d'acteurs. Vous avez parlé d'étudiants, d'université. Le Orange Digital Center, ce qu'on n'a peut-être pas souligné assez, va avoir des démembrements dans les principales universités du Cameroun. On est actuellement en discussion avec deux universités pour un déploiement rapide. C'est-à-dire qu'on va installer des centres au sein des campus, alors, pour pouvoir y dispenser des formations complémentaires au cursus académique, mais aussi pour pouvoir identifier les porteurs de projets parmi les étudiants de manière à bien les accompagner. Donc Orange sera présent auprès du monde universitaire pour aider, accompagner, former. Alors, concernant l'écosystème avec des acteurs comme les incubateurs, Orange travaille très étroitement avec les incubateurs. L'idée, vous avez bien compris, on n'est pas ici dans une logique, et j'insiste dessus, dans une logique où Orange essaye de mener une action égoïste de son côté. L'idée, véritablement, c'est de travailler avec tous les acteurs qui comptent, tous les acteurs qui sont actifs au niveau de l'écosystème pour qu'on essaye de mettre ensemble les moyens. On a tous intérêt à ce que l'écosystème soit mature. On a tous intérêt à ce que les gens soient préparés à utiliser les services de demain. On a tous intérêt à ce que on ait des gens qui soient capables de produire les services de demain. Donc, dans ce sens-là, Orange travaille avec les incubateurs. Ils viennent quelquefois utiliser les moyens mis à disposition par Orange. On les sollicite dans des cas particuliers, que ce soit pour des formations ou que ce soit sur des problèmes spécifiques, de manière à ce que ce contact-là ne soit pas rompu et que l'idée derrière, la principale chose, c'est que c'est le développement de l'écosystème camerounais qui est important et pas simplement Orange. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres... Je pense que ce serait bien que tu reviennes sur les conditions de sélection des jeunes aux formations de l'école du Côte. Voilà. Et les conditions d'accès au programme Orange. Fab. Ok, très bien. Alors, je vais peut-être commencer par les conditions d'accès à Orange Fab. Donc, le programme Orange Fab, tel que... il a été décliné un peu plus tôt. C'est un programme d'accélération, c'est-à-dire que il concerne essentiellement les startups qui ont, allez, entre guillemets, un certain niveau de maturité. L'idée, c'est de les aider à s'envoler. L'idée, c'est vraiment qu'ils prennent leur envol. Donc, on va affiner le business plan, on va travailler sur le plan marketing, sur le juridique, on va travailler sur un certain nombre de choses comme ça. On va y mettre quelquefois un peu d'argent. Donc, l'idée, c'est vraiment pour des startups qui ont un certain niveau de maturité de pouvoir s'envoler. Ça, c'est le programme Orange Fab et il concerne des startups qui ont un an, deux ans d'existence avec un produit qui n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, mais qui a atteint un certain niveau au niveau développement, quitte à ce que derrière, on puisse l'affiner, on puisse l'améliorer. Donc ça, c'est Orange Fab, c'est de l'accélération. Maintenant, pour les startups, alors, qui sont dans une position, alors, habituellement, on dit early stage, c'est-à-dire que j'ai une idée, soit ça reste encore une idée, elle n'est pas développée, ou alors elle est développée, mais pas suffisamment. Là, on rentre plus dans une logique d'incubation, c'est-à-dire que Orange va identifier les besoins de ces startups-là, et en fonction, soit va les orienter vers des incubateurs partenaires, de manière à ce qu'on les aide à consolider un tout petit peu plus leur projet, en utilisant bien évidemment les moyens mis à disposition d'Orange quelquefois, soit
on va les aider dans le cadre d'une incubation technologique, c'est-à-dire qu'avec les experts Orange, on va peaufiner avec eux, on va les aider à peaufiner leurs produits de manière à ce qu'ils puissent passer l'étape d'après. Donc, différents cas de figure pour les startups un peu matures, 2-3 ans d'existence, avec un fort potentiel, eh ben on fait de l'accélération, c'est le programme Orange Fab. Pour les startups qui sont plutôt early stage ou dans un état intermédiaire, c'est plutôt de l'incubation directement chez nous quand il s'agit de l'incubation technologique ou en faisant appel à d'autres acteurs du marché ou à l'expertise Orange à travers le groupe pour pouvoir accompagner ces idées-là. Alors n'oubliez pas que tout à l'heure dans la présentation, j'ai parlé d'un formidable réseau qu'on est en train de tisser au niveau de l'Afrique et du Moyen-Orient. L'idée aussi, c'est qu'à l'intérieur de ce réseau, pour les projets qui sont pas encore matures, qui se développent encore, on puisse échanger des expériences avec d'autres pays et donc consolider les projets derrière. Donc voilà, là. Alors, l'accès à l'école du code. Alors, l'accès à l'école du code, je le disais un peu plus tôt, tout le monde peut avoir accès à l'école du code. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, je ne l'ai pas dit suffisamment gratuitement. Et je l'aurais dit. Tout le monde peut accéder à l'école du code. Ça dépendra un tout petit peu du programme de formation. On a des formations pour tout le monde. À l'école du code, on accueille des jeunes de 7 à 17 ans qui viennent ici faire leur initiation au coding. Donc apprendre à coder, apprendre à développer des applications mobiles, apprendre à développer des outils. Donc pour ces jeunes-là, on va pas leur demander d'avoir un diplôme d'HEC, de NAV ou Suisse. Ces jeunes, ils n'ont pas besoin, c'est simplement la motivation. On les sélectionne sur leur capacité à avoir envie d'apprendre. Alors, ensuite, on a des programmes pour des étudiants. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est pas de remplacer les programmes, le cursus académique qui a cours dans les universités, mais c'est d'apporter des compléments sur des notions particulières, sur des concepts technologiques particuliers. Je prends l'intelligence artificielle par exemple. On a, avec le réseau d'experts d'Orange, on a la possibilité de venir en aide au cursus académique classique et apporter des notions qui permettent à l'étudiant de compléter son étude. Alors, ça concerne quel étudiant? Ça concerne pas nécessairement l'étudiant qui est en fin de cycle. Ça peut concerner l'étudiant qui est en première, deuxième année. C'est vraiment fonction de sa capacité à apprendre. Donc, il n'y a pas de niveau au niveau diplôme, etc. à avoir. La dernière catégorie des gens, c'est au niveau du alors l'école du code, on en a parlé, du Fab Lab. Au niveau du Fab Lab, ce qu'on cherche à faire, c'est simplement amener les gens à pouvoir fabriquer, apprendre en faisant. On a besoin que les artisans puissent optimiser leur production avec le numérique. On a besoin que les médecins puissent fabriquer des petits outils qu'il leur faut grâce au numérique. Donc, on a besoin de tout le monde. Donc, il n'y a pas véritablement de classification. Ça dépendra de la formation. Il y a des formations qui nécessitent qu'on ait un minimum pour pouvoir suivre, notamment, je pense, entre autres, au développement, mais généralement, c'est ouvert à tout le monde et les critères d'accès à une formation sont mentionnés dans l'invite concernant la formation. Je pense que c'était important de le mentionner. On cherche ici, avec le digital, c'est l'autre notion qu'on cherche à déployer, c'est l'horizontalité. C'est-à-dire, on est en train de dire que
On n'est plus dans l'ancien monde où on avait une logique verticale. C'est le gars qui a le bac, qui a le bac plus 5, qui a le bac plus 10, qui peut accéder à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, avec les progrès technologiques qu'on a, on a aplati les choses. L'accès à la formation, l'accès au savoir, c'est démocratisé, c'est ouvert à tout le monde. Donc, il n'est pas question que côté Orange Digital Center, on vienne à fermer avec des critères barrières. L'idée, c'est ne laisser personne au bord de la route, embarquer tout le monde, chacun en fonction de ses spécificités, bien sûr, mais embarquer tout le monde. Voilà. Alors, merci beaucoup, Emmanuel, pour toutes ces précisions. J'ose croire que tout est un peu plus clair pour vous concernant l'Orange Digital Center. Nous voulons une fois de plus vous remercier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans le fil de conduction, dans le fil de discussion. Nous avons également dit que si vous avez des préoccupations, si vous avez des projets ou que vous souhaitez vous inscrire à l'une de nos formations, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez directement sur le site Orange / Digital Center visiter notre catalogue de formations et vous inscrire à celle qui vous convient le plus, ou alors nous envoyer un email à ocm/digitalcenter@orange.com. N'hésitez pas, le centre également est ouvert, vous pouvez venir pour visiter le centre et toucher du doigt tous les concepts que nous avons présentés aujourd'hui. Sur ce, Solène, je te repasse la parole. Allô, Solène. Merci, Diane. Merci à toute l'équipe ODC. Cette présentation a été vraiment très édifiante. Je pense que tous nos participants ont vraiment apprécié. Donc, je vous mettrai le lien pour faire les visites virtuelles et pour découvrir les locaux, notamment les locaux d'Orange Digital Center, via notre site virtuel. Et n'oubliez pas de rester connecté. Nous avons encore quelques directions qui ont de nombreuses choses à vous faire découvrir, notamment la direction de la finance, des achats et de la supply chain qui va prendre la suite de Orange Digital Center. So thank you to everyone. Thank you to the team of Orange Digital Center. Please guys, stay tuned, stay connected for the next presentation. Donc à la suite de la direction de la finance, nous aurons aussi la deuxième présentation de la direction des ressources humaines.